Et là, vous avez un menu déroulant qui va apparaître. Hein. Voilà, exactement. Et là, vous avez un petit onglet Rex à l'achat. Mon métier, c'est chargé de développement des solutions digitales. Ça consiste à accompagner nos clients dans la dématérialisation des échanges commerciaux avec Rexel. Exactement. Donc vous voyez que le plafond de commande web, il a zéro partout, donc il ne pourra pas passer. La direction digitale déploie 4 types de solutions digitales. Nous avons la première qui est Rexel Achat, donc une solution qui permet d'avoir un circuit d'approbation et une gestion des budgets utilisateurs directement en ligne. On a une deuxième solution qui est le Punch-Out, qui signifie l'accès au référentiel produit via le système d'information du client. Et ensuite, on a l'EDI, donc qui est l'échange de données informatisées. Et pour finir, Rexel propose la dématérialisation fiscale des factures, ce qui permet à nos clients de recevoir leurs factures directement par mail et non plus par papier. On vient rencontrer donc le centre technique municipal de Nanterre pour leur proposer la solution Rexel Achat qui leur permettrait de gagner un temps important, notamment sur la validation des commandes chez eux en interne. De l'aide sans attente tant que vous n'avez pas l'accord final. Je suis accompagné donc de Michel, qui est le TCI qui pilote le client de la ville de Nanterre et qui donc m'a permis de prendre ce rendez-vous. Et Michel m'accompagne en rendez-vous pour me présenter au client et présenter aussi, appuyer sur la solution auprès de son client. Et ça, j'en parlerai justement au service des marchés parce que je pense que c'est des choses auxquelles ils sont. L'intérêt à travers toutes ces solutions, c'est de bénéficier en permanence dans leur environnement de toute la base de données, prix, produits, Rexel et sur tous les échanges commerciaux de pouvoir échanger beaucoup plus rapidement. Ça dépend des mairies, c'est ça qui est marrant, c'est que. Une des difficultés de la mission, c'est de trouver le bon interlocuteur qui est capable de décider et de mettre en application la solution. Donc là, en l'occurrence, il faudra qu'on aille voir l'élu référent pour pouvoir faire en sorte que la solution soit mise en place chez le client et qu'on finalise le projet. Il va créer son panier, il va le valider et on va lui déterminer. Quand on va charger et mettre en passation un budget. On vient de rencontrer le gestionnaire de patrimoine de la ville de Suresnes pour lui proposer la solution Rexel Achat afin de faciliter tous ses achats quotidiens et de gagner du temps pour lui avec Rexel et avoir une meilleure information sur les commandes passées avec Rexel. Le rendez-vous se passe très bien, on peut s'apercevoir que la solution correspond aux attentes du client et elle lui apporte une réelle valeur ajoutée sur son quotidien avec Rexel. On va renseigner et mettre le bâtiment et en plus on a un champ illimité de commentaires s'il y a des informations à rajouter. C'est une mission qui nécessite une autonomie importante. On vadrouille pas mal de client en client avec une zone assez large. Donc il faut être capable d'être autonome, de travailler en équipe puisqu'on est en permanence amené à travailler en relation avec les autres. On est même dépendant des autres sur beaucoup de parties de notre métier. Oui, j'utilise NavVision, donc un logiciel qui tourne sur Microsoft Dynamics. Je fais au minimum à chaque fois une demi-journée avec un TCI ou un commercial de la force de vente chez Rexel. Et le but, c'est aussi en même temps qu'on fait les rendez-vous clients, que le commercial qui m'accompagne et que j'accompagne se forme également à ces solutions-là pour qu'ils soient d'eux-mêmes plus aptes encore à détecter des futurs besoins sur ces solutions-là. Alors écoute. Eux, ils souhaitaient nous rencontrer à titre un petit peu plus exploratoire, dans le sens pour... Adrien m'apporte son expertise sur la partie digitale. Il m'accompagne donc en clientèle sur les clients concernés par cette partie digitale. Et ça me permet de fidéliser les clients. Avec Adrien, on se voit environ une fois par mois. Des ponts peuvent être possibles pour faire en sorte que leurs commandes arrivent directement après intégrées dans notre système à nous. On vient de rencontrer un client donc, qui est un utilisateur public qui avait des problèmes de facturation, c'est-à-dire qu'ils avaient des soucis de communication sur leurs factures. Donc ce qu'on est venu faire, c'est que Leïla avait détecté ce souci-là. Elle m'a remonté ce problème, elle avait pensé à la dématérialisation fiscale PDF qui est une solution qu'on propose dans le cadre de ma mission. Et donc on a rencontré ce client pour lui proposer de dématérialiser ses factures afin que toutes les factures soient sur un espace qui est partagé et qu'ils puissent donc du coup communiquer de manière bien plus efficace entre eux. Donc c'est ce qu'auront vos collaborateurs en magasin. Donc. Adrien m'apporte des réponses précises concernant des sujets que je ne maîtrise pas forcément aujourd'hui, tels que Rexel Achat, la dématérialisation de factures, et ça permet d'apporter un service supplémentaire aux clients et une satisfaction complète. Et pour vos gars, ça ne changera rien du tout, ils iront juste jusqu'à valider leur commande. On travaille vraiment en transverse là-dessus, le but c'est que moi je lui apporte un complément sur mes solutions et que ça apporte un plus à elle pour son client.
Écoute Laurent, je reviens chez le client. J'ai un client, donc un gros jumeau, qui veut mettre en place des commandes EDI. Avec Laurent, qui est responsable du procurement de France, donc c'est lui qui pilote les solutions EDI et Punch-Out sur toute la France, on fait des points hebdomadaires sur l'avancement des projets et sur les procédures à suivre pour que les projets se concrétisent et surtout se cadrent. Donc ne pas faire n'importe quoi et avoir un projet qui va au bout de manière claire. Ce qui me plaît, c'est qu'on est complètement transverse, c'est-à-dire qu'on porte une solution, mais pour que cette solution fonctionne, on va avoir vraiment besoin du commercial qui nous mette avec le bon, en relation avec le bon contact. Et ensuite, c'est d'aller convaincre le client que lui, il a un intérêt, une valeur ajoutée à aller chercher pour son entreprise. On voit qu'on a apporté un vrai plus dans sa relation avec Rexel.